Bah, à chaque fois je me plante, qu'est-ce que je fais à chaque fois, hein? Bonjour! Bonjour à vous, comment allez-vous ce matin? Comment ça va? Bonjour du matin, il est 7h41, oui j'ai réussi à être là assez tôt ce matin, j'ai réussi à être là à 7h35, ce qui est donc 5 minutes après l'heure à laquelle j'ai prévu de venir le matin. Donc ça va, j'arrive à être un petit peu plus ponctuelle, en tout cas avant 8h, tout va bien. Il est 7h41, nous sommes le 7 novembre, et bonjour Franck et bonjour Manon, comment allez-vous ce matin? Ouais, ma vidéo d'intro, alors, c'est une graphiste qui s'appelle Lynn, qui a fait ma vidéo d'intro, qui a fait aussi tout l'habillage graphique de ma chaîne, et qui m'a fait aussi des visuels pour les réseaux sociaux. Et c'est une musique que j'ai ajoutée en plus dessus. En fait, elle a fait juste la vidéo, enfin la boucle vidéo. Et moi, j'ai rajouté une petite musique lofi, enfin un truc que j'ai trouvé sur internet, que j'ai téléchargé et que j'ai mis en boucle sonore. Donc si au bout d'un moment, oui ta vie, au bout d'un moment, alors j'ai bonne mine, mais alors j'ai la gorge prise, j'ai le nez pris, c'est juste l'enfer. Mais ça va aller, ça va aller. Donc au bout d'un moment, si tu restes suffisamment longtemps sur la boucle vidéo le matin, bah elle finit par revenir au début. Voilà. Voilà. Donc je me suis fait un petit thé, comme tous les matins. Mais là ce matin, je vais en avoir bien besoin, parce que j'ai vraiment mal à la gorge. J'aurais dû mettre du miel. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? On va lire l'actualité. Ce matin, j'ai une pensée profonde. Je vais dire une connerie, vous le sentez venir. Ce matin, j'ai une pensée pour toutes ces personnes qui, parfois, prennent le temps de s'arrêter sur ce que je publie sur les réseaux sociaux et... prennent le temps de regarder ce que je publie et de publier quelque chose en réponse à ce que je publie, un petit commentaire, de commenter donc mes petites publications un peu parfois un peu inutiles, hein, mes publications, faut dire ce qu'il y a, hein, je suis parfaitement consciente du contenu que je produis. J'ai une petite pensée pour ces personnes qui prennent donc le temps de poser un commentaire sur mes vidéos ou sur mes posts sur les réseaux sociaux en répondant « T'es qui ?» Je trouve ça adorable, c'est gentil, merci. Vraiment, merci beaucoup de me ramener à ma condition d'inconnu. Ça me fait énormément de plaisir que vous soyez conscient que je ne suis personne et j'aimerais le rester. Si possible, j'aimerais rester personne, parce que
c'est mieux d'être personne. En vrai, c'est mieux. Mais voilà, je voulais remercier toutes ces personnes qui prennent vraiment le temps de regarder, de lire ce que j'écris, de regarder ce que je publie, et qui prennent le temps de commenter pour me rappeler à quel point je ne suis personne. Faut savoir que, ouais, vous le savez, mais faut savoir que moi, je cherche pas vraiment la notoriété, pas trop. J'aime bien être en live le matin pour lire l'actualité. Ici, ça me fait du bien. Je trouve ça cool. C'est un rapport humain avec des personnes que, en plus, parfois, je pourrais sans doute avoir l'occasion de rencontrer dans la vraie vie. Et c'est vraiment chouette. Et j'aime bien faire ça parce que ça permet aussi de parler de mes idées librement et sans être interrompue, ce qui est plutôt cool parce que souvent je suis interrompue quand je parle. Et là, du coup, j'ai la chance et la possibilité d'avoir une heure, voire parfois une heure et demie pour exprimer mon avis sur des sujets d'actualité. et ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec des gens parfaitement inconnus et de rester parfaitement inconnu. C'est plutôt cool. Alors après, je suis pas complètement inconnue, hein, je sais. Pour certains d'entre vous, je suis la présidente du Parti Pirate International. Pour d'autres, je suis l'ancienne porte-parole du Parti Pirate Français. Pour d'autres encore, je suis l'ancienne salariée permanente politique du siège national des Verts. Et oui, j'ai été ça aussi. Et pour d'autres encore, je suis la candidate tête de liste du Parti Pirate pour les élections européennes, ou encore la candidate aux élections législatives de la circonscription 91-06, ou encore la candidate aux élections législatives de 2012 sur la circonscription 91-07. Oui, oui, j'ai été aussi candidate ici avant, pour les Verts d'ailleurs. Ou encore la candidate aux élections législatives de 2017 sur Pantin et Aubervilliers. J'ai fait ça aussi. Ou encore l'ancienne chef de cabinet de Daniel Dambar à Schiltigheim. Oui, j'ai fait ça aussi. Certains me connaissent aussi comme conseillère Pôle emploi, mais bon, ça a duré 2 semaines, donc c'est pas non plus. Mais, et puis d'autres encore me connaissent sous un autre prénom, parce que je travaille sous un autre prénom. Et peut-être un jour qu'ils tomberont sur ce live et verront la tête que j'ai et diront... Mais tu t'appelles pas comme ça normalement. Voilà. Mais je suis personne. C'est toujours important de le rappeler. Et je tiens à rester personne parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les idées, encore une fois. Et c'est toujours ce que je défends et ça n'a pas changé. Et donc, et ce que j'aime bien aussi, c'est parce que je sais que quand il y a des personnes qui me disent « t'es qui ?», elles pensent que ça va m'atteindre et que ça va genre me vexer ou quoi. Et oui, voilà, je suis moi. Ma voix pèse peut-être, sans doute. Enfin, là, surtout, elle est lourde. Elle est grave, donc elle pèse lourd. Donc, ils pensent que ça va m'atteindre et que ça va me vexer. Et ce qui est aussi intéressant, c'est les gens qui, en voyant ça, qui me connaissent, se foutent de moi en mode « ouais, elle a la grosse tête et tout ». Alors, en fait, je pense que le fait qu'il y ait des personnes qui pensent, donc c'est des procès d'intention hein, toujours, mais des personnes qui pensent que j'ai pris la grosse tête parce qu'il y a des personnes qui me demandent qui je suis. C'est marrant. Non, je ne me retournerai pas parce que j'aurai un casque sur les oreilles la plupart du temps. La plupart du temps, en fait, dans la rue, j'ai ça sur les oreilles, comme ça, voilà, et j'entends pas. J'entends pas ce qui se passe, j'entends rien, et je suis très bien dans mon petit univers, dans ma bulle, en fait. Et ça me va très très bien. J'ai un côté un peu asocial, hein, faut le savoir. C'est que j'aime bien être tranquille dans ma petite bulle et écouter de la musique à fond et marcher vite. Donc déjà, faut que vous réussissiez à m'attraper. Je suis comme un Pokémon, moi. Si vous me voyez dans la rue, essayez de m'attraper, déjà, parce que je marche super vite. Et ensuite, que vous essayez de vous faire entendre. Alors, vous pouvez, hein, y a aucun souci, hein, venir me voir si vous me voyez dans la rue, ce qui arrive pas souvent, parce que je marche pas souvent dans la rue. La plupart du temps, je suis chez moi, avec mes chats et mon copain, s'il est là. Sinon, juste mes chats, ça me va.
Et je suis dans ma cuisine, des fois. Mais ouais, si vous me croisez dans la rue, essayez de me choper. Enfin, de me choper. Pas dans le sens. Enfin, vous avez compris quoi. Essayez de m'attraper pour me saluer. Alors, ça va pas me faire peur, hein. Je dirais juste, je serais juste surprise sur le coup. Et vous pouvez, hein, il n'y a aucun problème pour discuter. Même si j'ai le temps, on ira boire un café. Et ce sera marrant. Mais d'abord, il faut réussir à m'attraper parce que je marche vite et à vous faire entendre parce que j'ai le casque sur les oreilles. Donc ça, c'est deux choses importantes. Plutôt m'envoyer un message pour me dire « Ah, oh, au fait, je t'ai croisé dans la rue à tel endroit et tout. » Et là, je dirais « Ah, oh, c'est marrant !» Et voilà. Ou alors m'envoyer un message au moment même où vous me croisez en mode tiens, t'es là, c'est toi là! Parce que des fois, vous n'êtes pas sûr que ce soit moi. Hein. Des fois, il y a pas mal de gens qui me ressemblent. Et apparemment, j'ai un visage assez commun. Souvent, on me dit, ah, mais j'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Alors que c'est pas le cas. Du coup, ça va en contradiction avec le teki. Du coup, voilà. Bon, on se marre beaucoup. Hein. On s'amuse bien. Hein. C'est cool. Alors, bonjour Marine, bonjour Caféine, bonjour Real Lord et bonjour Glabou. Voilà, comme ça j'ai fait le tour. Bien parce que vous êtes. Je trouve c'est bien parce que vous n'êtes pas nombreux. Quand je vais des fois sur des lives de d'autres personnes, où j'arrive le matin, enfin au tout début du live, enfin le matin, pas forcément le matin, mais quand j'arrive au tout début du live, genre je sais plus qui est-ce que c'était, je sais plus qui est-ce qu'on est allé voir l'autre jour. Excellent, Manon, je répondrai ça. Je sais plus qui est-ce que je suis allée vous envoyer. Je vous ai envoyé chez quelqu'un l'autre jour et on est arrivé au tout début du live. Et au tout début du live, il était là, bonjour machin, bonjour truc, bonjour machin, bonjour truc. Et il y en avait 150. Et genre, il a dit bonjour à 150 personnes. Le jour où vous êtes 150 à me dire bonjour, je vous dirai pas bonjour. Hein. Je vous préviens, je vais pas passer une heure à dire bonjour à tout le monde, hein, c'est mort. C'est mort. Encore là, ça va. C'est pour ça que je vous dis encore, ça va. Là, vous n'êtes pas nombreux, donc c'est cool. Il y a 13 personnes, a priori, qui regardent là tout de suite maintenant. En tout cas, sur cet outil. Ah ouais, ça me fait penser. Je suis pas encore allée me connecter sur. Ah, le studio Très très quoi, quoi. vidéo. Ah. Pardon. C'est quand j'ai la crève, je suis comme un homme. Je suis malade. Je suis malade. Désolée, c'était extrêmement sexiste. Non, c'était pas Marion de Notech, je vous ai pas envoyé chez Marion. Vous avez envoyé chez un mec, je sais plus qui c'était, hein, que je suis depuis pas très longtemps. Et qui le matin comme ça, il fait une matinale le matin. C'était pas le fils de pub, je sais plus qui c'était. Mais c'est sympa, hein, c'est sympa hein, de dire bonjour et tout, bonjour. Hein. Salut Samuel, salut Nagal. C'est sympa de dire bonjour à tout le monde comme ça, mais après, peut-être pas toute la matinale. Après, je sais pas. On verra au feeling, le moment où ça arrivera, au moment où vous serez très nombreux à arriver le matin. Déjà, je continue à vous dire bonjour de toute façon. Donc, bonjour Hors ce gris, d'ailleurs, j'avais pas vu. On verra. Le jour où vous serez 150, peut-être, à ce moment-là, peut-être que je vous dirai encore bonjour le matin. En fait, c'est vrai que c'est sympa de se dire bonjour comme ça. Vous arrivez sur la chaîne et puis la personne qui est en live en direct comme ça dit bonjour. Ah oui, c'est ça. Non, attends, c'est pas Marcel. Je suis pas sûre que ce soit Marcel. Et la personne vous dit bonjour et tout. C'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est agréable de se réveiller le matin avec un bonjour. Enfin voilà, c'est vrai que c'est cool. T'en as oublié 634. Ouais, mais c'est vrai que c'est cool. J'avoue que c'est vraiment très cool de ça. Enfin, quand tu arrives le matin, que tu postes un petit message en disant bonjour et qu'on te répond salut, ça va? Alors, la forme et tout. Moi, je trouve ça vraiment agréable de ces petites attentions comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas, quand je serai une star extrêmement célèbre, je dirai peut-être pas bonjour à tout le monde. Attendant, tant que des personnes me disent t'es qui? Je continuerai à vous dire bonjour. Ça vous va? Qu'est-ce que je m'amuse beaucoup. Ouh là là. Alors, quelles sont les actualités ce matin? Alors, les actualités ce matin, on est d'accord que c'est les actualités d'il y a 10 jours. Hein. Non, mais même plus que ça, il y a 15 jours.
Non, j'ai pas vu tes lunettes, Samuel, désolé. D'ailleurs, j'ai pas les miennes parce que j'ai mis mes lentilles. Alors, je remonte, c'est encore plus haut. Waouh, il y a tellement de choses à voir, on va tellement pas avoir le temps, surtout si je raconte des conneries à chaque fois le matin comme ça. Alors, on avait quoi? Ah, ça y est, je suis arrivée. Ah, je suis redescendue, trop loin, trop tôt. Alors, Homer nous a envoyé, donc c'est Franck nous a envoyé un truc. C'est Homer C. Parasocial, les habitués se sentent reconnus, c'est pas désagréable. Bref. Ouais. D'accord, alors je continuerai à vous dire bonjour alors. J'ai l'impression que pour moi, il y a eu un avant et un après ce 4 novembre 1995. L'assassin vient d'être maîtrisé. C'est l'homme à la chemise bleue plaqué contre le mur par les policiers. Il s'agit d'un Israélien de 27 ans, étudiant en droit dans une université religieuse. Jean Friedman, l'organisateur de la manifestation, est un des témoins de l'assassinat. Nous étions en train de raccompagner le Premier ministre à sa voiture et un type a surgi, a tiré 3 balles sur lui, il est blessé. Atteint à la poitrine et à l'abdomen, Yitzhak Rabin est décédé 1 heure plus tard sur la table d'opération. Israël est en état de choc. Spontanément, des Israéliens se sont rendus devant l'hôpital. Certains en criant leur colère contre la droite israélienne. Ce meurtre s'est déroulé à l'issue de la plus grande manifestation pour la paix organisée à Tel Aviv depuis 1982. Yitzhak Rabin avait pris la parole, répétant que rien n'arrêtera le processus de paix. Il faut, disait-il, que cessent les guerres, pour nous, pour l'avenir, pour nos petits-enfants. J'ai toujours du mal, des décennies plus tard, à revoir ou commenter ces images. C'est vrai que j'ai l'impression que pour moi, il y a eu un avant et un après, ce 4 novembre 1995. C'est vrai que j'étais sur cette place, dans cette manifestation pour la paix, ce soir-là. On est parti à la fin de la manifestation. Rabin venait de prendre la parole. Il avait chanté un chant qui est devenu très célèbre. Rabin, il chantait très faux, mais il avait chanté un chant israélien devenu extrêmement célèbre depuis, qui s'appelle le chant pour la paix, qui était, en plus, a posteriori, ce chant était comme une espèce de prophétie, en fait. Il allait mourir quelques heures plus tard. Et il chantait en hébreu cette chanson qui dit Al tagidu yom yavo, aviu et hayom. Ne dites pas qu'un jour viendra, mais faites venir ce jour qui dépend de vous, ce jour de la paix. Quand je vois l'actualité en Israël, les dernières élections, je me dis que d'une certaine manière, une idéologie, en tout cas, qui nourrissait l'assassin de Rabin, a gagné une bataille. Effectivement, c'est terrible de se dire que voilà, on est quelques décennies après cet assassinat et que les rêves de Rabin et les miens sont piétinés. D'accord, donc ça nous remet un peu du contexte sur tout ça. Merci hein, pour ce rappel utile. Faire un petit tour là et après on revient avec une autre actualité en Belgique. D'abord on va faire un tour là. Ça, c'est trop. Vous en aviez besoin. Allez, c'est parti. On part en Belgique. Alors là, j'ai un deuxième chat qui vient d'arriver. Loulou, tu viens? Tu viens là? Tu viens, Loulou? Loulou? Vous l'avez vu? Vous l'avez vu passer? C'est après ça que Netanyahou devient Premier ministre. Ouais, il est devenu Premier ministre quelques décennies après, non? Tu viens, Loulou? T'es où? T'es parti? Oh. Oh. Le conflit israélo-palestinien, j'invite vivement à voir la vidéo de Gontran H qui redonne bien le contexte.
Ah, d'accord. Ok. Alors, on part en Belgique, où dans un pays, en fait, une situation telle que celle-ci donne lieu à la démission, donc j'ai envie de dire normale, et ça fait écho à l'actualité hein, d'aujourd'hui, la démission du ministre de la Justice après une erreur monumentale du parquet. Le ministre belge de la Justice a présenté sa démission vendredi, 4 jours après l'attentat perpétré à Bruxelles par un Tunisien radicalisé. Vincent Van Quickenborn a reconnu que la Tunisie avait réclamé l'extradition de son ressortissant en 2022, mais que le parquet belge n'avait pas traité la demande, une erreur monumentale. Donc ça, c'est un article du 21 octobre 2023 sur le Courrier international, donc c'est un article étranger. Et donc, ça fait écho à une actualité toute actuelle, hein, et dont on parlera certainement dans une dizaine de jours, hein, du coup, parce qu'on a 10 jours de retard. Et donc, sur justement notre ministre de la Justice, enfin le garde des Sceaux, qui actuellement est accusé de je ne sais pas encore quoi, parce que j'ai pas lu l'actualité, mais qui dans un pays normal ailleurs qu'en France, aurait démissionné, mais en France, non. Ben non. Pourquoi il démissionnerait, hein? Le ministre a déclaré lors d'une conférence de presse avoir découvert vendredi 20 octobre, donc le jour de mon anniversaire. Pardon, je suis très con. Avoir découvert vendredi 20 octobre qu'une demande d'extradition d'Abdeslam Laassouad, auteur de l'attentat revendiqué par l'État islamique, avait été présenté à la Belgique le 15 août 2022 par les autorités tunisiennes, mais n'avait jamais été traité par le parquet. Une défaillance judiciaire qui a permis à Laassouad de rester dans le pays, résume Bloomberg. Le lundi 16 octobre, cet homme de 45 ans, ex-demandeur d'asile et résident illégalement en Belgique, a ouvert le feu en pleine rue avec un fusil automatique, tuant 2 supporters suédois venus assister à un match de football opposant la Suède à la Belgique, avant de prendre la fuite. Traqué par la police, il a été interpellé le lendemain matin dans un café de... je vais dire une connerie encore. Dans un café de Schaerbeek, sa commune de résidence. Grièvement blessé par balle, il est mort peu après à l'hôpital. Vérité assassine. La défaillance du parquet est une erreur individuelle monumentale, une erreur inacceptable aux conséquences dramatiques, a estimé le ministre disant assumer la responsabilité de la faute en démissionnant. Donc là, le ministre belge, du coup, lui, il assume la faute, la responsabilité du parquet qui a fait une erreur. C'est même pas lui, en fait. C'est même pas lui en tant que ministre qui a fait une erreur. C'est le parquet, c'est des personnes qui travaillent pour lui qui ont fait une erreur. En France, le mec, il est attaqué en justice, directement et frontalement. Il ne démissionnera pas. Vive la France! La RTBF souligne qu'en 2022, un total de 31 demandes d'extradition internationale ont été transmises au parquet de Bruxelles. 30 d'entre elles ont été traitées, mais une n'a pas été traitée et il s'agissait du dossier du terroriste tunisien. La radio-télévision publique belge rapporte en outre que plusieurs fois, des informations sur la Suède ont circulé, mais jamais il ne sera inscrit dans la banque de données de l'OCAM, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, reprenant les personnes radicalisées, faute d'éléments suffisants. Avec les révélations de vendredi, la vérité reprend ses droits et elle est terrible, oserait-on dire assassine, pour notre pays, se désole Le Soir dans son éditorial, parlant de culpabilité belge. Car si 2 hommes ont été tués sur un trottoir de Bruxelles par Abdeslam Laassouad, c'est au bout du compte la faute de la Belgique. Pour le quotidien bruxellois, la démission d'un ministre de la Justice, aussi respectable et impérative soit-elle, risque bien de ne pas suffire à lever la très grande faute belge. Ça va, Loulou? Ah, ils vont nous refaire un sketch encore, là.